Yé bien les potes, j'espère que vous me voyez bien. Là je suis pas du tout chez moi les potos. Et ben ça se voit j'imagine. Cette vidéo n'était pas du tout prévue au programme les amis. Mais voilà, vous m'avez manqué, je vous le dis, vous me manquez. Parce que là moi voilà, les vidéos qui sortent pour vous, elles ont été toutes tournées en avance il y a déjà 2 semaines. Là ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné. Franchement donc je me suis dit vas-y, on va tourner une petite vidéo et tranquille, pas très peu de montage. Voilà, une vidéo archi courte parce que je vais vous montrer ce que mon père m'a fait comme cadeau. Vous allez voir, vous avez déjà vu avec la miniature, c'est un truc de malade, c'est tout bonnement incroyable. J'ai reçu vraiment énormément de cartes de différentes collections, des duopacks, des tripacks, des boosters. Enfin voilà, franchement, ça les potes, c'est un truc de malade. Là les potes, je suis en pleine ville, je suis perdu, regardez ça. Oh, les potes, voilà, moi je suis perdu ici, hein. C'est la ville, mais j'ai peur. J'ai peur de la ville, putain. Je suis perdu, mec, ici. Oui, les potes, j'ai décidé de prendre une semaine de vacances chez mon père, car je le vois pas souvent. Et c'est chez ma mère que j'ai tout l'équipement et l'environnement nécessaire, en fait, même indispensable pour tourner. Ici, d'ailleurs, si j'y vivais régulièrement, ça serait compliqué. Voilà, donc dans tous les cas, moi, je me trimballe pas avec tout mon équipement H24. Là, j'ai pris mon micro-cravate et mon téléphone. Ça suffit à vous faire une petite vidéo qui n'a pas vraiment d'objectif, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai reçu, voilà. Et puis, voilà, j'avais envie de tourner, en fait, tout simplement, et de vous donner de mes nouvelles, parce que dans un post, il y a pas longtemps, je vous ai dit que, voilà, pas d'ouverture pendant 2 semaines. OMG! Mais oui, c'est vrai, c'est la pure vérité. Les potes, il ne va pas y avoir d'ouverture pendant 2 semaines, enfin pendant 2 vendredis d'affilée. Donc ça, mais est presque trop en plus. C'est un truc, enfin ouais, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Il y en a, ils doivent se dire, ouais, tant mieux, on s'en fout des ouvertures, bien, mec. Mais non, en vrai, franchement, j'espère vous dites pas ça quand même. Mais non, mais là, ça me, moi, je suis dégoûté parce que j'ai super mal anticipé le fait que j'avais posé une semaine de vacances pour venir chez mon père. Donc ça, ben, c'est super mal anticipé de ma part. Et là, je vous tourne ça justement pour m'excuser un petit peu et quand même pour vous foutre la hype. Là, je vais vous foutre la hype. Dans 3, 2, 1, bim. Oh, je vous vois venir. Vous allez dire, tu passes tes journées devant My Hero Academia. C'est absolument faux. Vous me voyez là? Et coucou, allez potes, écoutez, oui, c'est vrai, je passe mes journées à regarder des animés en ce moment, c'est parce que j'ai quand même bien taffé et j'ai beaucoup tourné en prévision. Et là, franchement, ben là, c'est pas pour vous foutre la hype, mais vous avez vu ça, monstrueux, on a déjà 4 packs de 2 boosters, donc un ténèbre embrasé, un clash des rebelles, donc 2 boosters pour le prix d'un, donc ça, c'est un truc de ouf. Donc là, déjà, ça fait 8 boosters, voilà, je mets ça là, là, hop, on a 5 boosters également, épée et bouclier, voilà, donc ça les potes, ça fait vraiment plaisir aussi. Et c'est loin d'être fini. Déjà, hé, déjà, 8 et 5, 13, bim, le mec, back S, y'a quoi? Pas du tout, pas du tout, non mais déjà, et en plus de ça, on a 12 boosters, les potes, voltage éclatant, donc ça c'est un gros truc de fou. On a 2 boosters, éclipse cosmique, une collection que j'ai très très peu ouverte, donc franchement, ça fait vraiment plaisir, parce que j'ai vraiment hâte de les ouvrir, ceux-là. 2, les potes, pack Arène de Granbury, donc 2 tripacks, la voix du maître, ça aussi, là, c'est un truc de malade. J'ai tellement hâte de les ouvrir. La voix du maître, c'est une collection incroyable. Donc là, je remercie vraiment mon père, il m'a gâté énormément. Je m'attendais pas à recevoir tout ça de sa part. Ça, vous allez voir, c'est pas fini, regardez-moi ça les potes. On attaque le plus lourd, bim, le tripack voltage éclatant que je mets là. Il y a également un tripack ténèbres embrasées. Voilà, j'espère en tout cas que vous le voyez bien avec le Pikachu en promo. D'ailleurs, je ne l'avais jamais ouvert ce tripack ténèbres embrasées. Et alors là, les potes, c'est vraiment le plus lourd. Je m'attendais pas à ça. Un duo pack avec un booster invasion karma et un booster XY évolution. Booster XY évolution qui cote quand même pas mal sur internet. Ça commence vraiment à côté évolution. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait très longtemps, ça fait plusieurs années que j'ai pas ouvert du évolution. Tout comme Invasion Carmin, mais Evolution, c'est une collection incroyable. Franchement, elle est, cette collègue, elle est dingue. J'ai fait mes plus belles ouvertures sur cette... mais je crois que c'était vraiment sur cette collègue que j'ai fait mes plus belles ouvertures. Enfin, c'est un truc de mal. Voilà, j'ai vraiment... j'ai hésité à l'ouvrir, je me suis quand même dit... voilà, je fais pas, je collectionne pas le scellé encore pour le moment. Je mets ça là. Je collectionne pas encore le scellé, les potes.
Peut-être que ça viendra plus tard, mais je pense quand même que je vais ouvrir ce duopack. J'ai réceptionné énormément de boosters, tout ça et tout ça, les potes. Ça annonce quoi? Ça annonce un mois de février et un mois de mars qui vont être incroyables. Je vous le dis, niveau ouverture, jamais sur ma chaîne, je pense que je ne vais investir autant d'argent. Là, je vous le dis, surtout pour mars. Parce que je vous préviens, mars risque très fortement d'être un mois spécial opening, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire deux ouvertures par semaine au lieu d'une. Voilà, déjà, là d'entrée de jeu, ça cale. Les potes, c'est pas tout. Destinée radieuse, je vais doubler, voire tripler le budget habituel. Donc ça va être tout bonnement dingue. Vous allez voir qu'on va doubler, voire plus, la quantité à chaque ouverture dans pas si longtemps que ça. Là, ça va commencer à démarrer petit à petit. Vous allez voir, ça va être un truc de malade. Donc le budget, voilà, je mets de côté depuis quelques temps pour me préparer à Destinée radieuse. Parce que voilà, vous l'avez déjà vu avec ma vidéo, de toute façon, Destinée radieuse, c'est... Ça va être un truc de malade, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, moi je vais investir de malade. Donc là déjà tout ça, ça va rajouter du contenu à nos ouvertures déjà prévues, parce que j'avais déjà anticipé, j'avais déjà commandé pour février. Donc là ça va rajouter encore plus de contenu en fait à ouvrir, voilà, tout simplement. Ça fera des vidéos sûrement plus longues, mais là, je pense que voilà, on va possiblement avoir des pioches de malade, surtout si on tombe de l'ultra dans le booster évolution, ça va rappeler des souvenirs, ça va être dingue. À la base, voilà, cette vidéo, si vous voulez, courte, moi je vais retourner voir My Hero Academia. Juste avant, et eh ben je vous invite à vous abonner, ouais, non, mais je vous invite à vous abonner en fait, ouais, clairement, et à liker, ça c'est important aussi également. Voilà, et la cloche, oh là là, nous n'en parlons pas assez de cette cloche, il faut l'activer.